t'es bien mort. Suis-moi. Je peux pas. Boum. Je le fais maintenant? Non, je vais le garder pour après au cas où. Lui par contre, j'ai du mal. On va aller tout doucement. Pas qu'il se réveille. Au cas où en fait. Ils vont se réveiller au bout d'un moment. Obligé. Alors attendez, je regarde un truc. Ouais. Voilà. Vous savez bien. C'est bon, on avance tranquillement. Hein. Bon, bah, un petit peu plus tranquille en fait, ce chapitre pour l'instant. Il voulait faire un câlin et j'ai dit non. Oh my god. T'es mort. Alors. Il y a de la poudre et tout. Je peux rien faire, j'ai pas de bouteille. C'est toujours à base de bouteille. Ok. Attendez, ouais. Hop. Je vais en donner. Voilà, 2-2. Parfait. De toute façon, même si Nathalie en a, elle pourrait me. Marie, tire sur ce truc sur mon chemin! Merci! Merci! Pardon. Ouais, mais il y a un méchant là. De où vous venez, vous? Je vous ai pas vu. Y'a personne là? Non. Attends, je monte ici. On va tirer sur lui avant là, qu'il se réveille. Voilà, comme ça c'est sûr. Par contre, ouais, y a du gros monstre derrière ça. Là. Pour avoir vu du gros monstre. Donc on va se préparer en conséquence. Aïe aïe! Taisez-vous un peu. Vous m'avez saoulé. Faut que je tire sur eux avant que Natalia se fait choper. Je t'avais vu de loin, toi. Là, là. Voilà. C'est nickel pour l'instant. J'avance tranquillement. Sans souci. Je peux aller là-bas. Non, on va pas y aller. Il y a trop de zombies qui possiblement pourraient se réveiller. Donc je... Putain, ça m'a fait flipper. Oh my god!
Laisse Natalia tranquille, s'il te plaît. Voilà. Voilà. J'expose tout, moi. Quelque chose ici. Pardon, pardon, pardon. Hop, unité d'assaut. Ah, je peux aller avec, peut-être. Non, je peux pas. Ok, tu peux pas. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce bug? Ok. C'est fait. Il y a des fois, il y a des bruitages qui nous font peur pour rien. Hein, mais bah, pas peur, hein, qui nous fait stresser pour rien. Comme le grincement bizarre. Oh my god! Par contre, ça fait pas peur pour rien. Il est où cet enfoiré? Je regarde où il est cet enfoiré là. Quelle vanne qui parle. Barry, il y a quelque chose ici. J'aime vraiment pas ces monstres. Ouais, je sais qu'il y a quelque chose, mais j'arrive pas à le trouver. Je croyais qu'en faisant ça, ça allait le découvrir, mais pas du tout. Et où? Et là, ça. Ouais, je précise aussi, ça nous one-shot ces enfoirés. Ah, je l'ai eu. J'ai réussi à l'avoir à une balle. C'est bon. De pute. Enfin, vraiment, les ennemis, je les aime pas du tout, quoi. Hop. Natalia, tu vas bien au niveau de la santé? Ouais, c'est bon. Ah, ça m'a fait peur. Il y a un truc rouge passé, je me disais merde. Voilà. Super simple. Là, je pense que je peux passer là. Ouais, ok, donc je vais ouvrir la vanne. Lui, il se réveille pas. Ok. Natalia, essaie de voir si tu peux l'ouvrir. Compris. Ouvrir quoi? Ce que je viens d'ouvrir en fait. Ou ça, de bas. Non, 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 my God. Pardon. Mais il est où? Putain. Chaud. Attends, il y en a deux. Ça, c'est vraiment chiant.
Mais de où il se rapproche, s'il te plaît? Il est où, cet enfoiré? J'arrive pas à le voir, quoi. Peut-être que je me prends mal, hein, mais je le vois pas, moi. Ah, il est là. Il est là. Harry, il y a quelque chose ici. Je sais qu'il y a quelque chose. Nickel. Putain. Cute. Cute. Commence à avoir mal au bras de ouf là. Ok. Je peux sortir tranquillement. Alors, que fais-tu comme jeu à part Resident Evil et Ori? Un peu de tout. Du Minecraft. FIFA. Minecraft, FIFA. J'aime surtout le genre Survival Horror. Mais comme tu sais, il n'y en a pas beaucoup et il n'y en a pas beaucoup des bons. À l'époque, j'avais fait Outlast, mais en ce moment, voilà, c'est du FIFA, c'est ce jeu-là, et c'est surtout du Minecraft aussi, et Ori depuis ce matin. Voilà. Il y a quelque chose. Sois prudent. Oh my god! Heureusement qu'il y a Barry qui peut tirer. Même si l'IA est pas GG. Je joue aussi un peu à The Forest, je joue à Towns, je joue à beaucoup de jeux indépendants, je joue à Towns, je joue à Factorio, je joue un petit peu à... En ce moment, je joue un peu à Cities Skyline aussi, j'aime bien les jeux de gestion. Et puis, voilà, Sims 4. J'aime beaucoup de différents jeux. J'aime pas, c'est surtout j'aime pas les jeux de rôle, par exemple. Les jeux de rôle, j'aime pas du tout. C'est des jeux où ça papote beaucoup trop, qu'il y a beaucoup de trucs à lire. Donc, c'est vraiment pas mon truc. Et les jeux de Moyen Âge, médiéval, j'aime pas du tout non plus. C'est pas mon truc. Voilà pour les précisions de mes goûts. Allez, ramasse cette pierre, voilà. Alors, The Evil Within et Dying Light, tu les as fait? J'ai fini Dying Light et j'ai pas encore fini The Evil Within. C'est vrai que Dying Light, je l'ai un peu oublié, mais il est super bien. Moi, j'ai kiffé. Mais c'est vrai que je l'ai fini assez vite et j'ai oublié de le dire. Mais j'ai fini Dying Light, The Evil Within, pas encore. Pourquoi je n'ai pas de réponse à cette question. Mais je le finirai un jour. J'ai fait aussi le dernier Alien Isolation là. J'avais aimé. Mais un peu difficile à mon goût. Donc j'ai pas fini le let's play, mais je le finirai un de ces quatre. Chargement. Ben, sauvegarde surtout. Ben, c'est bon, ça rame plus. Bien, on est dehors. Maintenant il faut retrouver la trace de Wesker. Oui. Allez, cours, cours pour chasser Alex. T'as pas besoin de venir avec moi pour ça. Avec toi. Je veux connaître la vérité.
La meuf. Ça devait être une espèce de mine il y a très très longtemps. Oui, j'ai une chaîne YouTube en dessous du lecteur Twitch que tu regardes le live là. Il y a tous les liens, tu cliques sur la photo YouTube ou sur la photo Facebook, Twitter, tout ce que tu veux. Il y a tous les liens en dessous. Il y a même ma config si tu veux savoir. Je vais même pas changer Turtle Beach en Blue Yeti. Nouveau environnement, j'aime bien. Ça fait western et western, j'aime beaucoup. Allons voir en bas et cherchons un chemin. Bonjour toi. Cette vieille peau va payer pour tout ce qu'elle a fait à Moira. Je ne quitterai pas cette île tant qu'elle sera en vie. Et tu peux voir aussi sur le live en fait, hein, en dessous du jeu en fait, j'oublie de le dire, mais c'est écrit YouTube Matanger. Il y a un logo Twitter aussi, directement sur la vidéo. Donc oui, une chaîne parce que c'est écrit directement sur le live. Alors, ouais, qu'est-ce que je dois faire? Ah d'accord, il y avait une échelle ici, j'ai eu peur. Je me disais, bah merde. Alors par contre, j'ai envie d'avoir le machin là. Je l'ai vu. Boum. Médaillon bleu. Il y a une carte là. Il y a une carte, faut pas l'oublier de la prendre. Que sans carte, je suis perdu moi. Quand on me tient pas par la main, je suis perdu. C'est vraiment pas mon truc. Sauf, bon, bah, bien sûr, les Jedi Like ou les Assassin's Creed et tous ces trucs-là. Bon, voilà, faut pas non plus chipoter. Alors, carte de la carrière. D'accord. Ok, tac. Est-ce que tu te caches maintenant? Ok, donc. J'ouvre tous les machins avant de prendre. Alors ici on peut pas ouvrir, si bien sûr. Hop. J'aime pas ces machins là, c'est un truc de ouf. On peut pas passer par là, bizarrement. Ok. Donc là, pour la rediff YouTube, obligatoirement, ça sera en deux parties parce que ben. Ça fait plus de 2 heures et Twitch n'envoie pas, n'exporte pas directement sur YouTube en plus de 2 heures. C'est dommage. Pourquoi je voudrais passer par là, je sais pas, mais faut toujours tester. Et de toute façon, on peut pas. Ok. Ok. Ok, ok. Truc qui sert à rien. De rien, canari. Cet ascenseur est le seul moyen de monter. T'es sûr? Bon. C'est l'apocalypse. Moi je monte, j'escalade. Même si j'ai jamais fait ça. Totalement retiré la source d'énergie. Faudra trouver autre chose pour faire fonctionner ce machin. Ah, le retour du rallumage d'alimentation d'électricité, c'est super. J'adore.
Bon bah on va chercher. Ah, plus que ça à faire. C'est quoi de ça? Bizarre. Pardon. Alors est-ce que j'ai des trucs qui servent à rien sur moi? Poudre à fumer, ça sert à quelque chose, je suppose. Tissu, je vais donner. Je vais prendre ça. Je vais faire ça. Et puis ça. Allez. Comme ça, là, je suis bien équipé. C'était quoi? C'était un boss. Un boss de fin de jeu, moi, je te dis. Tu fais un live environ. Tu fais un live combien de fois par semaine environ? Alors, d'habitude, je fais pas autant de live. Je fais une fois par mois, mais là, il y a eu Resident Evil, donc bah, c'est une fois par semaine, Resident Evil. Et Minecraft, c'est une fois tous les 2 semaines. Donc, là, dimanche, je vais refaire un live. La semaine prochaine, vendredi prochain, je vais refaire un live sur Resident Evil. Et c'est tout. Après, en fait, Minecraft, c'est une fois tous les 2 semaines qu'il y aura un live. Une fois en vidéo de bonne qualité et une fois en rediff live. Parce que ben, j'aime bien aussi communiquer avec ceux qui aiment Minecraft et mon aventure. Et surtout en live, c'est toujours bien quoi, de pouvoir répondre directement, avoir des commentaires, etc. Surtout que sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de commentaires, donc c'est toujours mieux de faire ça en live. Donc oui, donc là, cette semaine, dimanche, il y aura Minecraft. Dimanche sur Minecraft et vendredi prochain, donc le dernier épisode 4 de Resident Evil. Y a rien là à faire? Ouais, non, y a rien. Ok. Ok. Dommage qu'on les garde pas sur soi ça, pour les lire plus tard, quand j'aurai fini le jeu par exemple. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, juste de l'herbe. C'est juste ça quoi qu'on vient ici. Ah. De l'herbe et un peu de munitions, d'accord. Je vais reprendre. Ok, impeccable alors. Ok. Super. Non. Bon bah allez, c'est parti, je vais aller ici. Il y avait un bruit bizarre. Par exemple, et puis sur YouTube, les vidéos non plus, hein, j'en fais pas beaucoup à la base. Mais comme il y aura les... voilà, il y en aura beaucoup. Et normalement, alors si je me trompe pas, je mets Minecraft mardi. Mardi, ah ouais, ça va être un peu chaud. Je vais essayer peut-être mettre Minecraft lundi. Et mercredi, je mettrai ma vidéo détente sur Ori, pardon. Voilà, j'ai activé le générateur, donc maintenant j'ai un objectif. Aller activer le machin, je sais plus où, je sais même plus où il est. C'était là-bas. C'est sûrement l'interrupteur qui commande le tapis blanc. Ça devrait m'aider pour déplacer les choses d'un point A à un point B. D'un point A à un point B. Aussi qu'en vrai il dirait ça. Tu le fais, point barre, tu le dis pas, quoi. Bref, donc on va devoir faire quelque chose par rapport à ça. Oh non, pas eux, putain de merde, fils de pute, enfoiré. Ah, comme par hasard, c'est la tête. Nickel. Ah, il y en a plusieurs en plus. Bon, tu sais, toi, tu vas mourir. Voilà. Ah, toi tu meurs, j'ai dit, ouais, c'est mieux. C'est mieux. Oui. Attendez. Ah ouais, bah si, je peux repasser par là. Ah si, là, tu peux sauter et te rattraper, quoi, putain. Alors là, je peux activer, peut-être. Non. Petite Natalia, tu peux passer ici. Merci.
Alors. D'accord. Pourquoi je l'ai fait passer ici? Je ne sais pas. Elle peut rien faire. Pourtant. Prends pas. Je vais pas activer le générateur pour pouvoir faire tout ce que je veux. Attendez, là il y a un truc. Comment on y va? Oh, on peut rentrer là-dedans où il y avait la grande patte quoi. D'accord. Je suis nouvelle, c'est pour ça que je te pose autant de questions, désolé. Ouais, c'est pas grave, je préfère quand il y a beaucoup de commentaires comme ça en live. Je préfère carrément. Pouvoir utiliser ce générateur. Ok, donc là je suppose qu'il faut enlever ça, le mettre ici. C'était pas ça. Pardon. C'est pas ça, c'est sûr. Non. Peut-être faut que je le prenne alors. Allez, voilà. Munition de sniper, même si je l'utilise pas beaucoup. Voilà, ça sert à rien. Par contre, je veux bien moi, mais. Je peux rien faire avec ça en fait. Alors, pour l'instant, là, la première énigme qui va peut-être me faire chier. Parce que. Toute façon, là, quand je suis arrivé, il était bien là. Donc, faut bien l'enlever, quoi. Je comprends pas. Ou alors, je me trompe, mais. Essaye de poser la caisse par le côté sur tapis, non? Ok, je vais tester. Tu veux dire là? Merci Canary. Ah, que je suis nul. En fait, je m'attendais qu'il me mette le bouton X pour le mettre. Mais non, fallait le faire directement. Ok, pour l'instant, je sais pas pourquoi je fais ça. Mais merci à toi Canary. Oh my god! Oh putain. Ça rame, ça rame, ça rame. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Allez, on sait que t'as mal. Putain, il fait comme les joueurs de foot. De rien. Allez. Monte, 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 monte. On peut plus sortir. Encore mort. De pire en pire, ces zombies. Ils ont muté ou je sais pas. Bizarrement. Ah bah voilà comment on récupère ce truc.
Non! Bon, c'est pas grave, c'est juste des points. Alors, normalement, la caisse est arrivée quelque part. Je sais pas où, mais quelque part. Donc, peut-être ici. Non. Il n'y a pas de tapis roulant, donc ça sera pas par ici. Alors, où elle a pu bien être, hein? C'est pas par là, en tout cas. Où je dois aller. Ici, c'est pas possible parce que, ben voilà. Ça va de l'autre côté. Alors attendez, attendez, attendez. Allez là. Je vais me Ok. briser le dos en deux si j'essaie de traîner ce machin jusqu'à l'ascenseur. Non, tu n'es pas nul, ça peut arriver, ouais. Donc je suppose que ouais, faut monter les escaliers là. Là vraiment, je fais vraiment, c'est, je fais au hasard quoi. Je le mets où le plus près possible. Même pas où ça va aller ce truc. Mon objectif, allez, il est où? L'objectif c'est là, donc de toute façon, ça va être bon. Je suis nul, je me mets sur le côté comme ça pour voir où ça va aller. D'accord. D'accord, ok, ouais. Ok, c'était bien, fallait le faire de toute façon. Parce que j'aurais pas pu monter avec. Donc maintenant, faut le mettre là. Et pouvoir ouvrir cette porte là-bas, je suppose. Moira va pouvoir faire quelque chose maintenant. Pardon, pas Moira, c'est Natalia. Si je confonds toutes les tous les prénoms maintenant. D'accord. Attends ici. Désolé, pourquoi tu. Pourquoi elle est désolée? Je comprends pas le. Ok. Hop. Hop. Suis-moi. Ok. Bon, l'alarme m'a fait flipper. J'ai eu peur que ça. Que des zombies viennent de ouf. Alors, combien de munitions? Ok. Là, j'ai plus rien. Là, j'ai plus rien. Là, j'ai des munitions, mais le sniper, c'est pas mon truc. Donc on va chercher un peu de munitions. On est déjà venu. On est déjà venu. On est déjà venu ici. Alors attendez. Merde. Alors j'espère que ça te dérange pas que l'on t'aide en te dise les choses. Puis moi personnellement j'aime bien quand tu le fais en direct et que tu ne l'as pas déjà fait. Au moins tu as le même ressenti que tout le monde. Ouais non mais t'inquiète, hein, pas de souci. Ça me dérange pas. Tant que ça spoile pas vraiment, tant que c'est que des objets à déplacer, ça me dérange pas du tout. Donc là ici non, c'était pas ici. Alors, d'accord. Je peux faire Pas de courant. pas de courant, C'est un problème. c'est un problème, bien sûr. Là, pour l'instant, je comprends rien.
On les gratte. Non, ici, ça sert à que dalle. Je vais prendre cette caisse. 17h30. Non, mais c'est fou. J'y suis depuis 15h, quoi. Je pensais pas que cet épisode allait durer aussi longtemps. Alors. Alors, déjà, l'homme, c'est moi qui galère. Qu'est-ce que je peux faire? Là, je peux reprendre cette caisse. Non, je peux pas le reprendre. Sinon, ça va se fermer, non? Non, ça se referme pas. Ah bah, parfait. Donc, je peux la reprendre. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? J'en sais rien du tout. Hein. C'est le problème. Que là je peux pas monter à l'échelle hein. Il va se casser le dos le vieux. C'est lui qui l'a dit hein. Oh, j'ai rien dit. Attendez. Non. J'ai ouvert cette porte, après j'ai rien fait d'autre de toute façon. Quoi ça servit que j'ouvre cette porte. Normalement, faudrait que peut-être que je trouve une clé pour ouvrir cette machin, que je mets la caisse en haut. Ça, c'est sûr, c'est ça. Donc, faut que je trouve une clé. Fermée de l'autre côté. Non, elle est fermée de l'autre côté. Donc, même une clé sert à rien. Ah bah oui, putain, mais qu'est-ce que je suis noob. Ah là là. Allez. Voilà, je vais pouvoir ouvrir la salle, bah, la porte de l'autre côté, et puis voilà. Ah là là. Par contre, là, j'ai pu. Donc là, ces zombies-là, je peux. Mais. Ah ouais. Tu m'aides bien, Natalia, pour le coup. Je savais qu'il y avait un monstre. Ok, bien joué Natalia. Par contre là j'ai mal, mais mal. Et je peux pas me soigner plus. Ouais, c'est bon. J'étais en hémorragie là en fait. Et j'avais rien pour enlever ça. Donc là maintenant je vais pouvoir faire ça, ouvrir. Et normalement... Ouais, c'est ça. Nickel. Parfait, je suis trop fort. Trop fort. C'est ça. Bon, je plaisante, bien sûr. Donc, ouais, beaucoup plus d'énigmes dans cet épisode par rapport au précédent, et j'aime beaucoup. Tant que c'est pas des énigmes qui me prennent 3 heures, ça me va. Voilà. Nickel, ça a sauvegardé en plus. Pour partir par la porte. Et pouvoir aller monter maintenant tranquillement. Allez. Normalement, la caisse va venir par ici. Voilà, c'est ça. Parfait. Hop. Donc. Maintenant, faudrait aller en haut. Si je la mets là, elle va aller où? Elle va aller là, là, et là, ok, nickel, c'est ça. Ok, c'est bon. Parfait. Je sais pas si à chaque fois j'entends le retour hein, dans mon casque de ma voix. Et je pense qu'on m'entend pas bien quand je fais ça. Et tout ça pour un ascenseur, quoi. C'est un peu, voilà, quoi. Tout ça pour un ascenseur.
Ah merde, je voulais me mettre en dessous, voir si je mourrais ou pas. Ou si ça buguait complètement le jeu et que je devrais tout recommencer depuis le début. Non, je plaisante. Quand même pas. Allez, hop. Mais pousse-toi, Natalia. Oh putain, elle traverse à travers, carrément. Qu'est-ce que je viens de dire? Elle traverse à travers. Non, on t'entend très bien. Ok, bon bah c'est parfait. C'est parfait. Ma jolie voix de... Non, je plaisante. On va le mettre là. Oh putain. C'est tellement simple. Tellement... Tellement difficile à refaire marcher ce machin. Tu crois que tu me fais peur? Voilà, nickel. Fais attention. Pas au bord. Tu sais bien. Bref. Oh merde. Oh là là. Bordel. Bordel de merde, fiotte. Comme d'habitude, ça se passe pas comme prévu. Voilà, je vapote un peu, hein, parce que là, ça fait quand même un peu 3 heures. Petite pause. J'ai le droit à une petite pause, boire un petit coup. Le temps, je m'en fous, hein, je précise. Pas obligé de faire start. Je fais pas pour... je joue pas un jeu pour aller le plus vite possible. Et voilà, l'épisode que je fais pas la veille est l'épisode le plus long. C'est dommage, parce que les autres épisodes, j'ai fait combien de temps? Je crois que j'ai fait 1h30, pas plus. Bah, l'épisode 2, j'ai fait 2h. 2h et 1 minute. Donc c'était en deux parties, parce que Twitch, comme j'ai dit tout à l'heure, il veut pas mettre plus de 2h en une partie. Je sais pas pourquoi. Donc il y avait une partie, une deuxième partie de 1 minute, c'est débile, mais bon. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Merde. On peut bouger le micro. Hop. Allez, on court, on court, on court, on court, on court, on court, on court. Oh my god! Un monstre? C'est pas vrai. Putain, il a couru un peu moins, cet enfoiré! Ça faisait longtemps ça, que je m'étais pas fait prendre. Voilà, toi t'es mort. Toi tu vas mourir aussi. J'ai envie. Voilà. Ça c'est fait. C'est quoi une carte? Non, c'est pas une carte, dommage. Je l'ai la carte en fait. Alors là, pour chasser Alex, ok, super l'objectif. Objectif recherché quand même. Faut le dire. Alors. Faut casser toutes les caisses pour récupérer le plus possible de munitions. Et... Oh non, ça va pas recommencer. C'est qu'il y a une caisse là-bas, mais. Une fois c'est bon, après on a compris le truc. Oh! Il y a une caisse là. On va aller la chercher quand même. Si elle est là, c'est pour une raison, c'est que voilà. Ou alors la raison, c'est qu'on va tomber. Hein? Non, c'est bon. Ils sont pas si fourbes. Attendez. D'accord, ça y est, on est de l'autre côté là, ok. Ok. Bon. Oh!
Putain, mais qu'est-ce qu'il est bête! Alors des fois il y a des murs invisibles et des fois non. Complètement n'importe quoi. Bref. Je l'avais dit que j'allais tomber. Il y a une caisse à côté de la caisse. Mais non, monte pas. Allez. On est good. On est good. Pas god. Je ne suis pas Dieu encore. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, le script de ouf. Putain, mais non. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Non. Mais tuez lui avant parce qu'il me casse les... Putain. Alors là, désolé, mais il peut avoir des gros mots. On me dit que je dis beaucoup de gros mots, mais bon, c'est comme ça, c'est... C'est Resident Evil, merde. Voilà, donc eux, c'est bon. Ouais, c'est bon. Maintenant, c'est l'autre con, là. Qui n'est plus là, d'ailleurs. Il est où? Ah, il est là. Putain, mais... Allez, faut pas que je meure. Ah, j'ai 2 balles de piton, pour une fois. Allez. Voilà. Ça marche bien, mais bon. Enfin, il est mort. Le pire, c'est que dans les autres Resident Evil, ça nous donne, quand on les tue, des munitions, etc. Là, ça nous donne rien. Donc, quand on les tue, on est content, mais sans plus, quoi. Parce qu'il nous donne rien, cet enfoiré. Allez. Alors j'aurais peut-être eu le temps de mettre la caisse et me casser, quoi. Mais bon. Allez, toujours cette petite cinématique pour descendre. Je fais aller mes bras, puis j'ai mal. Oui, je précise. Pardon. Je précise aussi que j'ai pas changé le skin de Burton et Nathania parce que ben je les aime pas les skins à eux. Les nouveaux skins. Donc voilà. Pour l'instant, je reconnais pas l'environnement là. Ah, une vraie cinématique. Moi, je le trouve beau, les visages aussi sont bien. Il y en a qui disent non, mais moi j'aime bien. Oh my god! On n'a aucune chance contre ce monstre. Quand même violent là.
D'accord. À flipper. Ah, c'est... d'accord. Donc je mets pas le prochainement, j'ai pas envie de me faire spoiler pour le prochain épisode. Mais d'accord, ok. Donc c'est bien le chapitre de Barry qui a été super rapide, quoi. Je sais pas à quelle heure on a commencé le chapitre de Barry, mais je crois que ça fait moins d'une heure. Hein. Donc, on va voir ça juste après. Donc là, le prochain épisode, le final épisode s'appellera La Métamorphose. Nickel, donc c'est fini. Eh ben, bon épisode, beaucoup plus d'énigmes que les précédents épisodes. Barry, je suis un peu déçu au niveau du chapitre de Barry. Mais bah, c'est pas que je suis déçu, moi j'ai aimé un peu d'action, un peu d'énigmes. Mais il a été super court. Claire et Moira, super long. Trop long même. Un petit peu trop long, et Barry super court, mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai peut-être été un petit peu plus vite parce que je connaissais un petit peu les lieux, même si le dernier lieu ça me disait rien. Et ensuite, la fin, bah, la fin de cet épisode en tout cas, voilà. Pourquoi le monstre a eu peur de Natalia à un moment, je n'ai pas compris. Alors peut-être que Natalia a réussi à rentrer dans la tête du monstre. A voir. A voir dans le prochain épisode. Donc déjà là... Alors... Je ne comprends plus rien à force qu'à Canary qui me dit. Qu'il me dit ou qu'elle me dit. Qu'elle me dit, je crois. Oui, c'est vrai que des fois... Donc on va passer un générique de fin. On va le voir dans le dernier épisode de toute façon. Et ben voilà la fin de l'épisode. Qui a été super long quand même. Alors, précision B, je suis toujours moins précis avec Barry. Mort 0, donc là c'est mieux déjà. S. Voilà, 1 heure. 1 heure pour finir ce chapitre. 1h22 pour le chapitre de Claire. Ouais, quel, ok. J'avais bien... Voilà. Donc merci d'avoir regardé ce live. J'espère que vous avez aimé. C'était donc... habilité, comme d'habitude, je le ferai hors caméra, hors vidéo, hors live. Je suis content d'avoir fait ce live avec mon nouveau micro Blue Yeti. Ça fait super plaisir. J'espère que c'est une super qualité. J'espère aussi, parce que heureusement que c'est une super qualité. Et puis voilà, un bon petit épisode. Beaucoup plus d'énigmes. Est-ce que c'est mieux? Oui. Mais un peu long le chapitre de Claire, mais bon, voilà, c'est toujours bien d'avoir un épisode plus long, hein, c'est sûr, mais peut-être un peu répétitif quand c'est plus long, c'est ça aussi que ça m'a un peu interpellé, c'était répétitif. Là, 1 heure avec Barry, c'était pas répétitif, donc ça va. Voilà. Je dis Barry, c'était un peu court par rapport à l'épisode d'avant, mais c'est mieux parce que c'est moins répétitif. Voilà, bref. C'est pas un test, hein. Le test, je le ferai plus tard. Bref, je vous dis merci. Merci à toi, Canary, de m'avoir suivi. Merci à toi, Hortator, si tu es toujours là, de m'avoir suivi. Bonne soirée aussi à toi, Canary, et bon week-end. C'était impeccable. Vivement vendredi pour le prochain live. Eh ben merci, c'est gentil de me dire ça. Dimanche je fais le live de Minecraft, hein, si t'es intéressé, oublie pas, dimanche, normalement c'est 17h-18h dimanche, voilà. Alors merci à toi Canary, merci à tout le monde, ceux qui regardent la rediff sur YouTube, partagez la vidéo sur Facebook, tweetez, retweetez, partagez sur Twitter, mettez un commentaire, est-ce que vous avez aimé cet épisode ou pas. Merci d'avoir regardé et je vous dis à plus. C'était Matenger. À plus. Plus.